Et on se lave. Ouh, buvons, buvons, buvons. Vite, 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 vite. Alors. Alors, presque nuit. Oh mon dieu, tout ce qu'on a. Je me demande si on devrait pas poser des bouteilles d'eau ici. Bah quoi que non. Non, 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 on va les. On va toutes les garder en bas. On va toutes les garder en bas, comme ça elles seront toutes au même endroit. Par contre, ouais, déçu, déçu de la place. Hein. Très très déçu même. On va en poser 11. 10. 11. Très très déçu de la place. Hein. En plus, je mets 3 heures à les mettre parce que c'est toujours rouge. Bah, c'est souvent rouge. C'était beaucoup mieux avant. Comme les jeux. Comme les jeux. Les jeux, c'était mieux avant. Je déconne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah, je n'en sais rien. On a fait... Alors, on a fait de l'eau. On a quand même pas mal d'eau. Putain, regardez-moi ça. Comment c'est... Ouais, ils ont mis une... Pas une protection, mais une zone, en fait. Une hitbox beaucoup plus large. Ouais, ça m'énerve, ok? Ça me frustre, ok? Moi, il m'en faut pas beaucoup, hein, des fois. Mais là, là j'avoue que ça m'embête. Ok, on va faire ça. Alors, il paraît que vous pouvez faire tomber vos balles, hein, des fois. Je sais pas vraiment comment ça... Le fusil, je l'ai utilisé surtout... c'était quoi? Dans l'histoire, en fait. Mais c'est à peu près tout. Donc... je sais pas trop, mais il paraît que ouais, on peut faire tomber nos balles et tout ça, donc ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire, notre fusil, il a combien de pourcents? Parce que ça aussi, il faut que je fasse attention. 48, ça va, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On a pas mal de vie, on est bien. Vu que j'entends que dalle, j'entends rien du tout, donc il n'y a pas de tempête, rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quand même un litre en plus. Nous avons des massettes. Nous avons 18. 18 massettes. Du coup, on va les mettre. Aïe, 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 aïe. J'en sais rien. Ok. J'en sais rien. Ça pèse pas lourd. Enfin, au bout d'un moment, ça pèse un peu lourd quand même. On va faire 8. Voilà, on en garde un peu sur nous. C'est parti. On en garde sur nous, en fait, si jamais on doit dormir autre part, hein, évidemment. C'est ça, en fait, le truc. Alors, dis-moi qu'il fait pas... Oh, il fait moins 3. Oh, très très bien. Donc, je pense que vu qu'on est en pleine forme, on n'a pas froid. Une heure. Ah, fait chier. J'ai pas envie. Non, honnêtement, j'ai pas envie. Ouais. Parce que, en théorie... Pour être franc, on devrait prendre des boyaux et les faire sécher. J'ai pas envie d'y aller. Ah merde, il y en a. Non, j'ai pas de viande dans l'inventaire. Waouh! 1, 2, 3, 2, 3, 3. Ok. On va aller là-bas. Merde. Je voulais aller dans la forêt. Mais on va faire le tour. Enfin, on va pas faire le tour, on va aller dans la cabane du trappeur. Vous savez, j'en avais parlé un moment. Donc on va y aller. Et on va dessiner aussi. On va se mettre comme ça. Ah, très bien. Yep, pas ça. Et on l'avait fouillé. On prend une plume. Donc, alors en théorie, si on n'avait pas fusil et tout ça, en gros, ce qu'on devrait faire, c'est récupérer des... On a une scie, hein, une scie à métaux, ce qui est bien. Et on devrait récupérer des morceaux de métal et du tissu. Et on devrait faire de la... des fils, des kits de pêche et tout. On va aller à la maison, là. Des kits de pêche, donc parce que notre moyen de récupérer de la nourriture, bah, ça serait la pêche, donc ça serait chiant, long,
On l'a déjà fait, hein, on l'a déjà fait. Donc c'est simple, on sait comment ça marche, mais c'est long, vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a pas une progression rapide, il n'y a pas une aventure vraiment. Là, on a un fusil, on peut un peu se balader, on a déjà pas mal de nourriture de côté, on a fait de l'eau, on a plusieurs steaks, on a quasiment une dizaine de steaks. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin des boyaux, quoi. Parce que les boyaux, bon, c'est pour faire du feu. Pour faire du feu. Désolé, je vois un truc et du coup, je pense au feu. On va faire ça. Voilà, très bien. C'est pour faire du fil, kit de pêche et tout ça. Donc là, encore une fois, on n'a pas vraiment besoin. Et comme j'ai dit, bon, il nous faut un couteau. Il va nous falloir un couteau. Ça, c'est, hein, ça, c'est obligé. Ça, on va pas... On peut pas vraiment... On peut. Non, honnêtement, on peut. On peut jouer sans. Mais... Ça serait con. Ça serait con de jouer sans. Surtout qu'on est dans une bonne zone. Et la zone juste à côté, il y a... Vous savez où on est apparu la première fois? Dans l'épisode 1? Bah, c'est là. Là, il y a une... Il y a une forge. Donc, on est vraiment pas loin. Donc, on peut vraiment... Comment dire... genre cela jouait cool, hein, vous voyez, on n'est pas pressé par le temps, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est bizarre ça, trois cailloux comme ça. C'est vraiment le côté vraiment cool de notre survie personnalisée. Elle est toujours difficile, il faut pas faire le con évidemment. Mais elle est plus fun. Moi, pour moi, elle est plus fun. Parce que moi, j'en avais un peu marre de faire l'arc et tout ça. On entend des corbeaux. Il y a peut-être un cadavre à l'intérieur. Il faut aussi qu'on récupère quand même du bois. Parce que je rappelle qu'on a utilisé tout le bois. Et... attendez, là, on voit les rails. Ouais, on voit les rails. Ok, on est sur le bon chemin, là. Et du coup... On va peut-être dormir... Attends, on va se mettre là. Parce qu'on va avoir froid et on va peut-être arriver... Ah, il fait joli, il fait beau en plus. On peut faire du feu avec la loupe. Comme je disais, oui, je voudrais bien trouver des écorces aussi. À chaque fois, j'arrête pas de me couper ma pensée. Alors, je voulais dire, on a que 12 allumettes et une loupe. Donc, il nous faut beaucoup de bois de... De côté, eh ben voilà, ça par exemple, un peu plus. Parce que si jamais on fait du feu, vu qu'on est très très limité, par exemple, ça, je crois qu'il faut un couteau. Je crois qu'on peut le faire à la scie, non? On peut pas le faire à la scie? En théorie, oui, oui, voilà. Ok, on peut le couper à la scie, très bien. Voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de. On va aller là-bas. Qu'on n'a pas beaucoup d'allumettes et de moyens pour faire du feu. On peut pas vraiment compter sur la loupe. On a vu que ça pouvait... Enfin là, on peut faire le feu. Peut-être dans 5 secondes, il y aura des nuages et on pourra plus faire de feu. Donc, si jamais on fait du feu, il faut qu'on ait un gros stock de bois derrière. Comme ce qu'on a fait la dernière fois. Où on a fait du feu pendant plusieurs heures. Quoi. Donc ça, c'est important. Voilà, très bien. Bonjour. Sépulture de Max. Les cadavres ont vraiment rien par contre, c'est abusé. Attends, excuse-moi. Cadavre, je laisse à cadavre, okay, ça marche. On a tellement un beau temps. C'est un peu abusé. Après, au bout d'un moment, ça va se calmer. Ça va arrêter. Le début est un peu simple. Donc, c'est pour ça que j'en profite. On va dire que le début de la survie est simple. Parce que, en fait, ça empire de plus en plus dans l'intrus. En mode intrus. Là, on insère là. Et la chose, c'est que... En fait, là, on a un fusil. Donc, du coup, on a récupéré un cerf et tout ça. Donc, on galère pas pour la nourriture. On court pas après la nourriture.
Mais si on avait... Ça m'embête à chaque fois, ça. J'ai envie de prendre la fourrure. Mais si on avait, par exemple, des problèmes de nourriture comme... en théorie, ce qu'on devrait avoir, donc. Et bah, du coup... On passerait notre temps... On va recycler avec ça. On passerait notre temps, en fait, à courir après la nourriture. C'est-à-dire pêcher, tout ça. Et du coup, on pourrait pas vraiment explorer. Parce que... parce qu'on serait après la nourriture, du coup. Donc, attendez, on va dessiner. On saute là. Très bien. Et du coup, voilà, si on est occupé avec la nourriture, on peut pas explorer, etc., etc. Donc on perd un peu le côté exploration au début, qui est en théorie plus facile, à cause du fait que bah, le temps est pas pourri non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une fourrure, ça c'est important, c'est bien. Donc là, je privilégie l'exploration. Et honnêtement, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est vraiment une très très bonne zone. J'ai envie d'aller là-bas en premier. Ah, oh, yes! Attends, viens ici, petit. Yeah! Regardez pas. Désolé. Je voudrais pas vraiment les tuer, les lapins, c'est pas vraiment pour la viande. Mais on va pouvoir faire des moufles en peau de lapin et tout ça. C'est top, quoi. Bon, oh la vache. Je déteste faire ça. On va récupérer ça. Ça va nous permettre de faire des pansements si jamais on a des problèmes. Enfin si, ça c'est pour... Oh, sure, I'm getting cold. Quoi? Un sac à dos quelque part? Oh, la vache. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ça va nous permettre, si jamais on se fait, par exemple, on se fait mordre par un loup, on a un risque d'infection. Parce que c'est un loup, quoi. Plein de saloperies dans leur gueule. Et du coup, il faut ça pour éviter la... l'infection. Tada! Parfait. Est-ce que j'ai dessiné la... Ça a dessiné la cabane ou pas? Ouais, la cabane. Oui, non, d'accord, ça la marque. Oui, ça, enfin, si, ça marque, il y a écrit cabane du trappeur. Cabane du trappeur. Oh, des balles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la peau. Parce que de toute façon, on va. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que de toute façon, on va passer du temps à se balader. Je pense que pour cette nuit-là, on risque de rester ici, en fait. Ah putain. Par contre, ça, c'est un problème. Hein. On n'a pas de... comment ça s'appelle? De pied de biche. Ça, j'avoue que c'est la merde. J'avoue que c'est vraiment la merde. Merde, c'était 35. Merde, 35, 30. Il faut repasser le 0. Merde, 35, 30, 51. This will come in handy. Cool, cool. Cuisine, couture. Quoi ça? Chocolat. J'en profite pour... Il n'y a pas les trucs sur... Non.
J'en profite pour piller ici parce que. Parce que du coup, au bout d'un moment, il va faire nuit. Ok, il y a un fait tout. Okay, ça... Il y a un fait tout. Il y a un fait tout. Oui, oui, il y a un fait tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il va faire nuit. On va rien voir. Note abandonnée, lire le texte. Ah, c'est un backer encore. Cette merde là que je voudrais ouvrir. Putain, ça c'est embêtant ça. Ok, je pense qu'on a tout vu. Et on a fait... ouais, on a eu des belles trouvailles. Donc, je pense qu'on a eu des belles trouvailles là. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors... On est un peu lourd. Alors oui, alors les chaussures d'abord. Elles sont juste à 25%. Par contre, je crois qu'il faut du cuir. Ah putain, il faut du cuir séché. Et du tissu. C'est la merde, ça. Moins 10% d'endurance. Man, I could use a drink. Pour l'instant, on va les mettre parce qu'on va les, laisser. On va les laisser comme ça. Les lapins, on les... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop. Est-ce qu'il fait nuit maintenant? Je sais pas, je dirais on se balade encore un peu dans le... À l'extérieur, de toute façon, on a à manger. On a trouvé des livres en plus. On a ça à faire, on va crafter ça aussi. On peut passer une nuit tranquille. Je dirais qu'on... Pour rentabiliser en fait... Le, au maximum ce qu'on a... Ce qu'on fait là. Notre sortie, voilà ça. Notre sortie. Je dirais on se balade. Et quand ça fait un peu froid. On se balade, on s'épuise en fait, on récupère du bois et tout ça. On retourne à la cabane ici, on mange parce qu'on a des massettes. On a des massettes, on a une barre de chocolat. Et quand on rentrera dans la cabane, on va dépecer aussi le lapin, tout ça, on va lui enlever la peau. Et la peau, on la laissera avant de se coucher. Et du coup, ça va... voilà, déjà on aura gagné quelques heures pour faire sécher la peau. Alors attendez, on va faire silence un peu. Ok. Ouais. Parce qu'il y a des cerfs. Ok, ok, cool, cool. Il y a des cerfs, mais de temps en temps, il y a des loups. Les loups attaquent les cerfs et tout ça. Donc, faut faire attention. Pas faire le con non plus. Pas foncer. Ouais, bientôt, il va faire nuit. On va plus pouvoir dessiner. Ok, cool. Je pense qu'on va revenir. De toute façon, elle est pas trop, trop fatiguée. Mais... Enfin, c'est pas grave qu'elle soit pas trop fatiguée non plus. On va pas dormir genre 10 heures. Le temps qu'on dépece et tout ça, il y aura plus grand. Il y aura plus beaucoup de la nuit. Ok, notre petite sortie était cool. Honnêtement, on a bien avancé. Je suis assez content. On va rentrer. On aura des boyaux avec les lapins. On aura peau de cerf en plus. On aura des peaux de lapin. On va pouvoir faire notre équipement. Je pense qu'on va partir. Parce que je voulais en fait me mettre un peu une limite de quand partir à la forge pour créer notre hachette et notre couteau. Je pense que je vais le faire quand on aura les équipements genre de lapin et tout ça. Ça là, genre peau de cerf, pantalon de cerf et peau de lapin. Je pense qu'on va le faire ça. Et alors... ok, on est encore...
encore à boire. Ah, c'est le début de la nuit. Elle est encore. Ouais, non, ça va. Ok. On va faire ça d'abord. D'abord la peau. Ok. Attends, il est où le deuxième? Merde. Pas de travail trouvé. Ah! On a un problème. Il est où le deuxième lapin? Table. Merde. Jeune boulot. Ok. Ah. Carcasse de lapin. Alors. Ça. On enlève d'abord la peau. Quand on est bon, il faut faire attention à notre boisson. Peau. On va boire. Oh non, ça va en fait. Okay. Recycler le boyau. Je pense qu'on va s'arrêter quand on sera en milieu de nuit. Ça. Oh, non, non, on va pas s'arrêter en milieu de nuit, on va tout faire. On va tout faire, on a bientôt fini de toute façon. Maintenant il reste plus qu'à récupérer les morceaux de viande. Hop. 32 minutes. Voilà, ah, très bien. Voilà. Alors j'ai fait une erreur, j'ai cru que j'avais gardé des morceaux de viande sur... On va garder du lapin. Ouais, mais du coup, faudrait le faire cuire en fait. On va le mettre à l'extérieur. Faudrait le faire cuire. Vous voyez ce que je veux faire? Je veux garder des appâts en fait, des leurs. Voilà. Vous voyez la différence, le problème ou pas? Vous voyez ou pas? C'est qu'apparemment, il y a de la lumière à l'intérieur et quand on va dedans, il n'y a rien. Alors, je pense que. Ils ont plus ou moins collé, copié de la... On est en surpoids? Ah oui, c'est parce qu'elle est fatiguée. Copié de l'histoire, je pense. Allez, on va dormir. À la limite, en fait... je pense que c'est aussi pour vous montrer de l'extérieur, comme ça vous le voyez facilement qu'il y a une cabane. C'est vrai que j'aurais bien voulu ne pas piocher dans les massettes. C'est pas extrêmement grave. On est à combien? 600, 700. Yo, pardon. Je suis désolé, je déteste mettre pause par erreur. Vraiment désolé. 8h? Ouais, 8h. Pour récupérer le plus de vie possible. Là, on fait encore des nuits assez longues, tout simplement pour récupérer de la vie, surtout. Parce qu'encore une fois, on n'est pas... Voilà, là, parce que sinon, ce serait... En théorie, enfin, normalement, moi, ce que je fais, c'est que je me lève toujours avant le jour pour me préparer et tout ça. Comme ça, on perd pas de temps dans la journée, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vu qu'on voulait récupérer le plus de vie possible, voilà. Donc on va faire ça. Par contre, maintenant, ça va être assez lourd. J'espère qu'on va pas dépasser. On est à combien? 7. Ok. Alors, le truc, c'est qu'est-ce qu'on va laisser ici? Tissu. J'avais pas vu ça. Je dirais qu'à la limite, on pourrait... Casser des caisses et tout ça. Enfin non, on va les laisser là, les caisses. Ouais, on y va. On va les laisser là. Comme ça, si jamais on revient et qu'on a besoin de caisses, ben on sait où aller. Hop, hop, hop. Il fait beau. Enfin, il fait pas beau, mais ça va. On est trop lourd. On est trop lourd.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on rentre à la maison, hein, tout simplement. On rentre. Alors d'abord, je voudrais trouver la grotte. Parce que je sais qu'il y a une grotte ici. Et c'est pour aller à... Ah mince, comment s'appelle la ville? La ville où on était, on s'était arrêté dans le... la dernière saison. Ah, donc ça, ça serait vraiment bien de découvrir la grotte. Et que je la marque. Il fait un peu froid quand même. Et que je la marque sur la map. Ah bah voilà. Parfait. Je pense qu'on va... On a encore le temps. Bien. Par contre, on va faire ça parce que ça, c'est un truc que je veux fabriquer et surtout que je veux cuire à un moment ou à un autre. Donc après le reste, on s'en fout. Bon, ok, ça marche. Allez, explorons. Ça nous réchauffera un peu. Alors on va explorer ici, vite fait. Alors il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment des... c'est plus ou moins tout droit. Fait pas trop sombre. Donc je vais pas sortir de lampe, vous devriez voir. Par contre, c'est possible qu'on trouve des quelques objets, donc je vais les prendre. Et aussi, je voudrais aller à la sortie de la grotte, comme ça on la, on dessine aussi la map. Ça commence pas par un M, le nom de la grotte. J'ai envie de dire Midgar, mais c'est pas le même jeu. Je sais plus, on verra de toute façon. On verra, c'est pas grave. Charbon, bien. On va prendre ça. On peut... Oh! Attends, on branche l'antenne maintenant. Là, il y a un feu... Non... Charbon. J'ai un peu peur qu'on soit chargé. Ouais, je pense qu'on va être un peu trop chargé pour rentrer. On va être très lent. Bon, on n'est pas extrêmement loin non plus. Mais ouais, on va dépasser les 30 kilos assez facilement. Mais on va rentrer avec quand même pas mal d'objets. Les pots surtout, ça qui est grave bien. Vraiment, vraiment cool d'avoir les pots. Honnêtement, on a bien avancé là. On a fait vraiment une... Vous pouvez en fait juger vos sorties si vous commencez le jeu et que vous savez pas trop est-ce que vous êtes efficace ou pas, est-ce que c'est bien ce que vous faites ou pas. Vous jugez par rapport à ce que vous rapportez. Je pense, est-ce que vous avez utilisé. Si vous rapportez beaucoup plus que ce que vous venez d'utiliser, et que votre vie, tout ça, n'a pas trop baissé, ou alors que vous avez même récupéré plus de vie et tout ça, ce sont des très bonnes sorties. Milton, voilà, Milton. Je savais bien que c'était un M. Je savais bien que c'était un M. Très bien. J'ai pas les massettes. Ah, je voulais juste... Voilà, donc... Je pense que notre... notre plan, grosso modo, comme j'ai dit, c'est d'abord... d'être... de récupérer des pots. Donc ça va être les pots de cerf, les pots de lapin. Vu qu'on a un fusil, à la limite, on pourrait même faire les pots de loup. Pour attaquer des loups. Il nous faudra un sac. Ah, les sacs, c'est les élans. Oh, ça, c'est autre chose, ça, par contre. Quoique, avec le fusil, ça devrait être simple d'attaquer les élans. Moi, je les ai fait à... J'en ai combattu à l'arc, donc bon. Ça devrait pas être trop difficile.
je pense, avec un fusil. Mais on pourra chercher un élan, s'il y en a un sur la map, sur notre, dans notre région, pardon. Et on pourrait faire un sac. Ça pourrait être pas mal. La bonne chose, c'est que j'ai envie de faire des vêtements chauds assez vite. Parce que vous voyez que quand on est sorti, quand on est à l'extérieur, on a souvent genre moins 6, moins 5. Et ce qui est très très bien, et c'est très rare, honnêtement, c'est très rare. Enfin, au début, c'est plus souvent, mais c'est vraiment bien. Donc si on arrive à récupérer encore des degrés... Après, on a aussi une perque qui nous permet de gagner 2 degrés de bonus. Nous, on a ça. Depuis nos dernières survies. Donc ça aussi, ça nous aide. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Comme ça, on aura déjà des très très bons vêtements. Très vite, on pourra aller plus loin, plus longtemps. Après, on ira récupérer, crafter notre... rien trop paix vraiment. Non, on fera juste attention, c'est pas grave. On fera juste attention. On va... On a un peu de viande sur nous. Donc si jamais on a un loup, on peut... C'est quoi ça là-bas? Ah oui, c'est un totem. Si jamais on se fait attaquer, on peut balancer un leurre, ou alors on peut tirer aussi. On a un fusil. Mais voilà. Non, on est franchement bien. Après, si vous regardez cette survie et vous dites « Ouais, moi aussi j'ai envie de faire de l'intrus, mais j'ai pas envie d'utiliser les... J'ai pas envie d'utiliser le fusil, parce que je pense que c'est trop simple, trop facile, machin... » vous pouvez regarder mes anciennes survies. Hein. Ou alors vous calquez sur ce que je fais là et vous faites le fusil en moi. Parce qu'honnêtement, on ferait pareil sans le fusil. Encore une fois, le fusil nous a été utile une fois, c'était pour chasser le cerf. Et c'est vrai que du coup, bah, on n'a pas vraiment besoin de se soucier. De la nourriture pour le moment. Après, j'avoue que c'est un peu handicapant, hein, le fusil, quand même. Enfin, c'est quand même 4 kilos à chaque fois qui est pris. Hein. Je pense qu'on va commencer à le déposer. Que là on a plein de petits morceaux de lapin, de viande, donc à la limite si on a 2-3 leurres sur nous, parce que moi je sors jamais sans leurre en théorie, bon, là j'étais sans leurre, c'est une erreur de ma part, mais je ne sortais jamais sans leurre, et si on reste dans la zone, qu'on va pas chasser rien, à la limite je dirais de... on y va sans le fusil, parce que 4 kilos c'est quand même 4 kilos de stuff quoi. C'est quand même 4 kilos d'objets qu'on peut pas ramasser, ou alors si on les ramasse ça risque de nous foutre dans la merde parce qu'elle risque de s'abîmer, de se tordre la cheville et tout ça. Donc faire attention à ça. Sinon ça se passe bien. Très content. Très très content. On va faire les boyaux, dans quelques jours on pourra les pêcher. On ira pêcher même. On a récupéré pas mal de morceaux de bois. Tranquille. Après chaque tempête, si vous n'êtes pas au courant. Parce que les morceaux de bois, une fois que vous les ramassez, bah, ils réapparaissent pas. Pas comme ça, pas par magie. Par contre, si il y a... Attendez, c'est par là-bas ou par là-bas? Oh, je pense que c'est par là-bas, mais on va passer là. Si par contre il y a une tempête,
genre pendant une nuit ou même la journée, de fort vent en fait. Bah, ça va casser des branches et tout ça, donc il y aura beaucoup plus de branches au sol. Donc si vous voyez une tempête et que vous manquez de bois, bah c'est le moment quoi. Pas pendant la tempête, hein, bien sûr, évidemment. Je dis après, une fois que ça s'est calmé. Vous devriez tomber sur pas mal de bouts de bois par terre. Évidemment, utilisez les petits bois, parce que c'est le plus commun en fait à trouver. Donc, utilisez les petits bois. Après, le bois de récupération, genre de chaises et tout ça, c'est bien aussi, mais c'est limité. Parce que, bon, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à casser, quoi. Attendez. Ok. Les rails sont là. Attendez, est-ce qu'on est trop avancé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, la maison est là. Ok. Du coup, nous, on avait vu des loups. Pas trop envie de sprinter, mais ok, les loups ont bougé. Alors aussi en intrus, ils se déplacent en meute, hein. comme dans la nature, hein. c'est assez réel de ce côté-là en intrus. Donc c'est rare que vous de voir un loup seul, à moins que le loup veuille chasser quelque part. On pourrait récupérer ça. Mais elle est déjà fatiguée. Enfin, elle est pas fatiguée, elle est déjà froide. On va voir. Voilà, comme ça. Tada! Ok! Je pense qu'on va se réchauffer et récupérer quand même les boyaux. Les autres boyaux, parce que bah c'est pas. Hein, c'est pas rien non plus. Ça. Voilà. Allez. Merci. Et le bout de bois, on va le mettre là-bas. Ok. Très bien. On a plein de petits bouts de bois. Ok, ça marche. Le tissu, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis là, le tissu. Objet fouillé. Ok, cuir. Ok, cuir. Plume et métal. Plume parce qu'on s'en fout. Ça sert à rien pour le moment. Tissu, on le garde. Il nous faudrait beaucoup plus de tissu, par contre. Ça, c'est un peu le problème. Où est-ce qu'on pourrait récupérer du tissu? Où est-ce qu'on pourrait récupérer du tissu? Voilà. 2, 3, 4, 5. Juste 5, au cas où. Enfin, on ne sait pas vraiment si on en aura besoin, mais... Hein, c'est jamais quoi. Ok, ça. On avait mis du charbon ou ça en dessous. Vu qu'on va pas l'utiliser, le charbon, on n'a qu'à le laisser là. Pour le moment. Le charbon, si vous en trouvez, ne l'utilisez pas. Le charbon est utile pour une chose surtout. C'est pour. On pourrait jouer aux boules, aux pétanques. C'est utile surtout pour une chose, c'est pour la forge. En fait, le charbon, c'est que ça va augmenter votre chaleur. La chaleur du feu extrêmement haute. Alors, ça dure longtemps, oui. Bon, c'est vrai que ça dure longtemps aussi, c'est bien. Mais le but principal du charbon, c'est vraiment d'augmenter en fait la chaleur. Et pour la forge, il faut atteindre un truc genre 250 degrés, un truc comme ça, pour commencer à fondre le métal et tout. Et bah, ça se fait surtout au charbon, quoi. Donc, une fois que vous avez atteint cette... ce degré là et que vous pouvez commencer
à forger, bah du coup, ce que vous faites, c'est que vous utilisez du bois en fait pour continuer le pour garder le feu en vie en fait. Mais le charbon sert à vraiment à augmenter la chaleur du feu, rien d'autre. Elle est bientôt morte. On va peut-être en garder une sur nous. On va mettre les choses au même endroit quand même. Hein. On va garder une sur nous au cas où, parce que on va commencer à les utiliser. Alors nous on a quoi? Ça c'est quoi? C'est cuisine, ça on le garde. C'est dépecer vos proies. C'est la pêche. C'est le feu. Cuisine. On va garder la cuisine. On va garder la cuisine, ça on le jette. Là on va mettre les bouquins. Donc on a 4 faitous. Ça c'est bien parce que 4 faitous, ça veut dire que peu importe où on va, j'ai qu'une seule pierre. Peu importe où on va toujours pouvoir faire. Par exemple, si on trouve une cuisine avec avec un gros feu, c'est qu'on peut. Alors attendez, 7, 8, 9, 10. Où il y a 4 places, bah du coup on aura 4 fois 2 litres, par exemple, 2 litres d'eau. Enfin 4 faitous quoi. Donc ça c'est bien. Bon par contre ce qui m'embête c'est les chaussures là. Je sais pas trop si ça vaut le coup de les faire. Quantité à réparer. 50 ça ferait... chance de réussite 70%. C'est 1h30. Ouais. Je sais pas trop si ça vaut le coup de les réparer. Honnêtement. Parce qu'en plus ça va enlever... ça va enlever beaucoup d'endurance. Donc honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de les réparer. Je sais pas du tout. On va dire que si on avait temps illimité, ben tout ça, qu'on fait pas attention à ça. Oui, oui, ce serait, oui, on pourrait utiliser ça à la place, quoi. Mais là, là pas trop. On verra. On verra, on verra. Parce que là, on n'a qu'un seul cuir. Le cuir est rare, en fait. C'est ça, le problème. C'est que le cuir est très rare. Par exemple, je crois que les baskets donnent du cuir. Cuir séché 2. À la limite, parce que ça aussi, il faut du cuir, en fait, pour les baskets. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que... elles, on les répare pas. On les répare pas. Et une fois qu'elles seront très abîmées, on les recycle, on récupère du cuir et on rafistole nos baskets. Chaussures là, nos grosses chaussures. Alors ça c'est plus chaud et ça 10 ça protège du vent par contre, l'humidité ça protège de l'humidité, c'est le même poids. Ok, on va jeter ça. Par contre, j'ai un problème. Alors, si je me rappelle bien... C'est possible que... Putain, je peux mettre ça. C'est pas beau comme ça. C'est très moche comme ça. Ça va me déranger. Désolé, mais ça va me déranger. Je pense que les pourcentages baissent des vêtements qu'on dépose. Et je suis pas trop sûr de ce que j'avance. J'ai peur que les chaussures se désagrègent au bout d'un moment. J'ai été quoi, 24%? On verra, on fera un peu attention. Allez!
Il est encore tôt, elle est pas super super fatiguée. On va prendre ça et on va se balader. On est à combien de... On a 17, ok cool. C'est parti. Donc là on pourrait faire du feu, hein, parce qu'on a du bois et tout. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? J'ai envie de dessiner cette partie-là. Ah, il fait pas froid. Cool. Let's go, let's go. Il fait pas trop froid. Oh! Putain, ça m'a fait... Oh, vache. Chier. Vous ressentez la douleur à cause d'une blessure, ce qui entraîne une vision trouble et une sensation de gêne. Traitez-la ou attendez qu'elle guérisse avec le temps. Ok, faut attendre 4 heures ou alors faut prendre ça. On attendra. Entendez ça suite au fou mouvement. Vous êtes tordu la cheville. Votre mobilité sera réduite jusqu'à ce que vous soignez. Ou que le temps fasse travail. 4 sur 4. Voilà, on fait... Oh la vache, qu'est-ce que ça m'a fait... Elle peut... Non, elle peut pas se planter. Ça m'a foutu les boules. Je me demande si ça attire les loups. Hein. Ok, il y a des loups là. Tu peux voir comment tu vises comme ça? T'es pas très précise. J'avoue que c'est un peu la merde. Ben, je crois que notre exploration va vite finir. Je dois bien un peu me déplacer là-bas. Ça aussi c'est nouveau, ça existe pas, ça existait pas, pardon. De mon temps, hein, de mon temps, parce que je suis vieux. On va se balader un peu. On a pas d'appât. Je vais dans des endroits qui sont un peu déserts, honnêtement. Oh la vache! Et si on rentrait? Elle peut dessiner quand même. On est là. Ouais, je sais que normalement il n'y a pas grand chose dans ce. Putain, ok. Si on rentrait. Qu'est-ce que je vous dis, moi? En plus, ça me fait flipper à chaque fois parce que ça. Vu que ça sauvegarde et en même temps, ça fait freeze le jeu et tout. Ouh la vache. Bon, allez, ciao. Vous avez remarqué qu'elle s'est abîmée le poignet, hein, je veux pas dire, mais. À part après, ce qu'ils auraient pu mettre, c'est que si on se met accroupi. Vous voyez à droite là le symbole là. Bah, il disparaît pas en fait. Donc, ils auraient pu faire en sorte que si on se met accroupi, il disparaît vu qu'on fait un peu plus attention. Enfin, je sais pas, ça aurait été pas mal. Je crois qu'ils ont rajouté ça pour éviter. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, dont moi par exemple, qui descendaient les pentes en fait, comme ça, qui descendaient même des pentes assez ardues, quoi, quasiment verticales. Comme ça en fait, en s'accrochant au rebord. Et je crois que c'est fait exprès pour plus ou moins éviter ça, éviter de gruger un peu le gameplay, vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que je fais? Je fais du feu? Je vais pas faire du feu. Je sais pas. On va prendre les massettes qui se baladent là et... S'il fait encore jour, on va rentrer, on va faire du feu, je dirais. Comme ça, on fait cuire les aliments, les morceaux de viande. On va faire de... On va dessiner là. Allez, on rentre. Bon, on va faire du feu. Comme ça, on en profite pour cuire les petits morceaux de lapin. Et on va continuer à faire de l'eau. On avance. Le problème, c'est que là... Là, ça sert à rien, là. On peut pas aller chasser parce que c'est trop dangereux. Je peux pas courir. On peut pas vraiment se déplacer loin non plus parce que, ben, on peut pas courir. Attendez. C'est... Enfin voilà quoi, là c'est... Là c'est un peu mort là, l'exploration. Là j'ai pas grand chose à dire quoi. Bon, bon, bon. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, parce qu'on a des loups pas loin, je... Parce que, bon, là, on peut pas, parce qu'encore une fois, je peux pas courir. Mais j'avais dans l'idée aussi dans... D'en faire venir près de la maison, comme ce qu'on a fait avec le cerf. Bon, le cerf, on l'a chassé jusqu'à la maison. Mais genre les appâter, les loups. Enfin, un loup, déjà, pas 50 à la fois, sinon ça va mal finir. Et donc on le tue pour récupérer sa peau parce que les vêtements en loup sont vraiment bien. Alors les vêtements en loup sont bien parce que bon déjà ils sont chauds, mais aussi vous pouvez effrayer les autres loups si vous portez des vêtements de loup. Bon c'est, y a peu de chances que ça marche, mais si les loups vous sentent, ils peuvent être effrayés en fait. Donc ça peut être une bonne chose.